Et bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de ma colocation, du coup, de l'appartement dans lequel je vis actuellement au Québec. J'en profite de faire cette vidéo car mes deux colocs ne sont pas là, donc au moins je dérange personne, je peux filmer un peu où je veux, comme je veux. Donc là on est dans l'entrée, actuellement, donc petite porte. Là c'est une chambre qui n'est pas occupée, mais qui sera occupée par un mec bientôt. Là c'est une jeune paire de skis. Donc là on a la chambre d'Alexis. Là. Petit couloir. Des toilettes. La porte se faisait un boucan, ça m'a surpris. Juste des toilettes en fait. Hein. Donc une petite pièce, toilette, salle d'eau, ils appellent ça. Hop. Rien de bien surprenant. Donc là, le salon. Avec l'interrupteur du coup qui marche pour le couloir, c'est celui-là le bon interrupteur. Salon, donc on a des petits canapés, petite table, une magnifique télé, évidemment, une PS5, donc ça régale. C'est la PS5 d'un de mes colocs, du coup d'Alexandre. Et ouais, donc ici on est plutôt bien. La petite vue sur les autres bâtiments et sur la neige, car il a beaucoup, beaucoup neigé hier. J'ai vu une meuf passer, je me suis dit elle va me trouver bizarre si je continue à filmer. Là, on arrive dans la petite cuisine. Bon, j'ai ça, mais elle n'est pas si petite que ça, hein. Franchement, c'est pas mal. Donc, c'est une assez vieille, mais qui fait le taf. Et par contre, si je peux parler d'un truc, c'est ça, là. Le combo four, plaque de cuisson en tourbillon, ils ont ça partout en Amérique du Nord. Faut m'expliquer le délire, hein. Ça marche très très bien les fours qu'on a en Europe et les plaques à induction. Perso, je préfère largement. T'as pas de risque que ça prenne feu ou quoi. Donc petit frigo, re-petite fenêtre avec vue ce coup-ci sur des petits sapins. On me voit là actuellement. Hop. Du coup, cuisine qui fait largement le taf où on a peu de vaisselle mais on fait avec. On a là la petite table qui franchement nous met très très bien. Donc hop, on va éteindre la cuisine. Donc ici, la chambre d'Alexandre. Et là, on arrive dans la salle de bain, qui est vachement volumineuse. Si on ferme, qui est franchement plutôt volumineuse. Donc vous voyez bien, donc salle de bain, il y a des toilettes. Par contre, il y a une douche aussi, évidemment, c'est le concept de salle de bain, qui est petite par rapport à la taille de la salle de bain. Genre, elle doit même pas prendre un quart de la pièce. Sinon là, j'ai perdu le focus, mais on a beaucoup de rangements, lavabo, qui vraiment. Alors il est tout seul au milieu d'un énorme sorte de plan de travail. Et salle de bain, un très bon état qui fait le taf avec une petite lumière. Ça fait un bel éclairage. Et du coup, pour finir la visite de cette colocation, ma chambre. Avec le petit lit. Là-bas, des armoires. Il y a mes valises qui traînent encore parce que faut que je les bouge, faut que je trouve un endroit où les mettre. Je ne l'ai pas encore fait. Bon, là, évidemment, on voit rien parce que doit y avoir, parce qu'il y a de là, il y a full buée. Quoi qu'on peut voir un peu. Hein. Genre dans mon ombre, les sapins. Très, 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 très sympathique. Et donc là, on a un bureau. Enfin, un petit bureau. Franchement, je trouve que le bureau est quali de fou hein, parce que, genre, il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin. Bon, après, évidemment, j'ai ramené du matériel comme ce petit beurre du M1 avec son bras de micro. Je sais pas ce que je vais en faire, mais Célia m'a dit, ouais, si tu fais de la musique, prends-le, c'est bien. Donc je l'ai pris, ça m'a pris une place. Petite manette, petit G Pro X, évidemment, le Stream Deck. Ça prenait pas de place, je l'ai ramené. Le petit PC, souris. Bon, une boîte d'AirPod avec une petite histoire, il n'y en a qu'un seul. Voilà, on fait comme on peut. Et puis une petite cam Logitech qui est du bordel, hein, évidemment. Ça me correspond bien le bordel. Là, du coup, j'ai une chambre. Franchement, la chambre est super cool, il y a de la place. En plus, là, je l'ai remis un peu en forme car c'était pas du tout aménagé comme ça il y a 2 heures. Du coup, en fait, j'ai mis le bureau comme ça. Hop, porte ouverte. Vue sur le bureau d'Alexandre. Ça fait des games. Ça fait du gaming. Et on se met bien. Et ouais, tout qui est prêt du coup pour potentiellement faire des streams. Et donc voilà, c'était pour le petit tour de cette colocation. Wesh l'équipe, aujourd'hui,
petit après-midi visite de Chicoutimi, donc du centre-ville, etc. Là, je suis en train de me rendre à la banque. Une fois que c'est fait, je me rends au centre-ville et je vais essayer de vous faire des petits plans pour vous montrer un peu à quoi ressemble la ville. Peut-être petite visite guidée de ma part, guide Timo pour vous servir. Du coup, je fais ça sur le conseil après le premier vlog de mes gars sûrs, ils se reconnaîtront, parce que j'ai pas pris assez de vidéos à Montréal et je vais essayer de faire mieux ici pour vous proposer de la qualité, quoi. Voilà, voilà. Du coup, je vais à la banque et petite visite de Chicoutimi. C'est parti. Je suis arrivé plus ou moins au centre-ville de Saguenay. Évidemment, sur le chemin, ma caméra est tombée en rade de batterie, donc du coup, j'ai dû repasser à mon appart histoire de la recharger. Là, je suis juste devant l'église. On est derrière l'église plutôt. J'avais fait une très très belle photo depuis cet angle de vue. Je vous la mettrai. Et du coup, on est parti pour la petite visite du centre-ville de Chicoutimi, avec ici aussi un très joli bâtiment. Je vais vous filmer ça, vous faire plein de petits plans. Ça va être cool. Actuellement, je me trouve au début de la rue principale de Chicoutimi, donc la rue Racine. Et je suis actuellement devant le SAQ. Voilà. SAQ, pour ceux qui ne savent pas, en fait, au Québec, la vente d'alcool est centralisée pour, en tout cas, une partie des alcools. On peut quand même acheter de la bière, etc. dans certains supermarchés. Mais du coup, donc, c'est la Société d'alcool du Québec. Et donc c'est ici en fait que quand on veut acheter de l'alcool, genre de la vodka, ce genre de choses, du vin, on y va et c'est un magasin dédié à la vente d'alcool. Et c'est comme ça partout au Québec. Je suis plutôt content parce que c'est une vraiment belle journée pour se balader sur Saguenay. Franchement, il fait trop beau. Je me régale. Bon, il fait certes froid, mais avec des gants, une capuche, un bonnet, ça passe plutôt bien. J'ai même pas pris ma parka aujourd'hui. Je commence à m'habituer à la fraîcheur de ces contrées. Donc là, on arrive bientôt devant la mairie. Et après, au fond de cette grande route, cette grande rue, il y a un petit bâtiment que j'apprécie tout particulièrement. Je vais vous montrer ça. Je suis actuellement devant la mairie, donc l'hôtel de ville de Chicoutimi. Franchement, c'est un bâtiment que je trouve très très sympathique, je trouve très joli. J'aime beaucoup l'architecture. J'aime beaucoup l'architecture du bâtiment. Le fait qu'il y ait un petit clocher en haut, et franchement, je trouve que le bâtiment est stylé, tout simplement. C'est vraiment beau. Je suis actuellement sur le pont, j'avais fait plein de photos dont celle que j'ai posée sur mon Instagram qui s'affichera juste en bas de l'écran d'ailleurs. Le pont est très stylé, il nous donne une très très belle vue sur à peu près toute la ville de Chicoutimi. Et quand on zoome, on peut voir toutes les églises effectivement, parce qu'il y en a énormément. Ça qu'ici au Québec, je sais pas si c'est au Canada en général, mais au Québec, il y a énormément d'églises, ils adorent ça, les églises et les Québécois. Et aussi, ce qui est assez sympa qu'on peut voir, donc rivière gelée qui ne l'est pas sur le milieu, on peut voir la vapeur d'eau partir dans les airs. Et une très belle vue sur la rivière gelée, de part et d'autre. C'est très très stylé.
Et me voici devant le dernier endroit, du moins le dernier bâtiment que je voulais vous montrer. Je pense que certains reconnaîtront le logo qu'il doit y avoir par ici. J'ai pas de retour, je sais pas où il est, mais voilà. Donc je suis juste devant le bâtiment Ubisoft, voilà, tout simplement. Bâtiment Ubisoft. C'est un bâtiment que j'affectionne tout particulièrement. Et je pense que je vais bientôt aller leur déposer mon CV, hein, en vrai. Franchement, bonne idée. Voilà, c'est tout pour cette visite de Chicoutimi. Je pense que devant le bâtiment d'Ubisoft, Saguenay, c'est un assez bon endroit pour faire une autre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre vlog. Salut !